Oula. Un jeu de Étienne Trudeau. Audio par Disaster Peace. Écrit par Raphaël Denis. Oh, trop stylé! Oh, trop stylé! Oh, trop stylé! Les insectes de l'espace. Yo, t'es arrivé! J'avoue, c'est vraiment épique! Oh, je suis tellement soulagé! Ouais, ouais, l'humain s'en est sorti! Et même alors, à quoi bon? À quoi bon? Tu es pas heureux d'enfin rencontrer notre douce petite étoile? C'est pas que je sois pas heureux, mais tu te réveilles, tu vas qu'à tes affaires, puis soudain, bam, game over! C'est un cycle vicieux sans fin! Peu importe qui tu es, tout le monde finit ici un jour ou l'autre! Allez, mec, tu réfléchis trop! Tant que tu profites du voyage, bon, on se fout du reste! YOLO! Tout ce que je dis, c'est que ça sert à rien de se faire trop d'attente. Sinon, on finit très déçu. Tiens, attends un instant. Qu'est-ce que c'est que toute cette morosité? On devrait être en train de fêter, mais tout ce que tu trouves à faire, c'est de chialer. Lol, t'as genre trouille. Et toi, tu peux pas parler normalement pour une minute? Ouais, madame, je suis désolé, madame. Je sais qu'on arrive là, mais c'est tellement tôt. J'aurais vraiment souhaité que tu puisses rester plus longtemps. Mais je vais tenter de mettre mes sentiments de côté pour ton bien. Steve, déploie tes ailes, ma petite étoile. Écrit par Raphaël Dely. Écriture supplémentaire. Brandon Caldwell. Ah, tu es finalement arrivé, content de voir qu'ils ne t'ont pas eu. J'aime bien que tu irais jusqu'au fond de cette petite affaire et que tu découvrirais la vérité. Ça sonne comme un récit fabuleux. Oh, Criquet, s'il te plaît, raconte-nous si tu veux. Ah, mais oui, Criquet, j'avais quelques yeux braqués sur toi. Pourquoi ne partagerais-tu pas avec nous le résultat de ta petite enquête? Quoi, tu m'as vu? En fait, la vérité, c'est... Qu'est-ce qu'il y a? The cat got your tongue? Ou bien sois-tu en train de nous mentir en pleine face? Allez, crache le morceau, je peux sentir la sueur sur toi. D'accord, j'avoue, je t'ai inventé, mais je pensais vraiment qu'il y avait un complot au début. Après, moi, j'ai bien réalisé que mes théories ne faisaient aucun sens. Je continue à insister car je voulais pas que les autres pensent que je suis un idiot. Je suis qu'un pathétique imposteur. Quoi? Criquet, tu peux pas dire ça? Tu es si téméraire et patient. Sans mentionner très craquant. Et n'est-ce pas, madame araignée? On essaye, je me fiche complètement de vos amourettes ridicules. It's pathétique de vous voir vous tortiller dans vos propres toiles de mensonges. Exactement comme ces âmes errantes, l'os prisonnière de leur propre esprit. Effrayé à l'idée de faire face à leur destin incapable d'avancer. Je lui prendrais le most, si ce n'était pas si divertissant. C'est pas de leur faute, ils n'ont fait aucun tort. Mais c'est effrayant de faire face à ces remords. Je prendrais ce que c'est que de vivre dans l'angoisse, de voler en rond et de faire du surplace. Bien, pour ce que ça vaut, tu n'as pas l'air angoissé quand tu voles, monarque. Je trouve ça plutôt charmant. Bien, disgusting. Seul endroit où j'aimerais vous voir together, c'est sur un plateau d'argent. Speaking of, je commence à avoir faim. Je crois qu'il est l'heure d'y aller. Ce mystère qui reste est ce qui se trouve au-delà de la lumière éblouissante. Recoutu additionnel, Charlie Huckenard. Audio supplémentaire, j'ai pas eu le temps de lire. Première exploration musicale. Musique Taïa. C'est la mythe. Scarine roule dans Libellule. Mon plus grand fan, j'arrive pas à croire que tu aies fait tout ce chemin pour me voir. Laisse tomber ça, bien sûr que j'y crois. Puis c'était pas surprenant du tout. Si ta tête pour une fois, qu'est-ce qui vient après la marée? Les champs célestes, bien sûr, et regarde, et voilà. Par le tonnerre Jupiter, c'est pas aussi facile que tu prétends. Tu dois savoir qu'il faut un cœur ardent pour trouver le bon chemin à travers les ténèbres. Oh, ne t'inquiète pas, il suffit d'un seul coup d'œil dans ma direction pour que le charme de ma passionnée soit n'importe quelle âme en peine. La bravoure et la déviation n'ont aucun impact sur le processus. De par sa conception, le marais fonctionne comme un espace de transition. Donc tout dépend de la motivation du sujet à lâcher prise. Car sa liminalité le tiendra occupé aussi longtemps que possible. Non, une flasque à moutarde, essaies-tu de nous endormir? C'est de bavardage, notre ami, attends la consécration. Je ne saurais pas imaginer qu'un barbare s'intéresse à quoi que ce soit. Sauf à quelque côté de l'épée le plus tranchant. Ou dans quelle direction se trouve la taverne la plus proche. Bien sûr que tu te fiches des subtilités du firmament. Quoi, les choses si compliquées. Les âmes courageuses montent et les âmes lâches descendent, non? Tu réponds sur la férocité avec laquelle on confronte la grande faucheuse.
Ah, tout le monde sait que le paradis et l'enfer sont des fables mythologiques, créées par les humains pour donner un sens à l'au-delà. Peut-être que pour les soldats gaspillent en vain leur vie pour des idées. Éthique du Berlu, jamais je ne croirais que nous sommes trépassés pour rien. J'aimerais bien que ce soit une opinion démodée. En parlant de mode, je te filerais bien quelques conseils de style, mais je ne saurais même pas par où commencer. Il aurait son laisser un peu d'esprit. Humain, va-t'en sans tarder. L'humidité va déteindre sur toi si tu restes une minute de plus. Attends, tu as oublié ton autographe. Tu Kikix. Mais tu viens pour la fin du jeu. Support Xbox and Switch. Laudry Big Game. Consultant Publishing. Propaganda. Nick Verge. Ah, Nick Verge. Allez, le dernier trio, je crois. T'as fini Outer Wild, ouais. Bon, que le spectacle commence. Alors, une abeille, un crapaud, puis une grenouille dans un bar. Tout le monde sait où je m'en vais avec mes patins. Attends, le micro est branché ou... Je suis impressionné par tout ce que tu as accompli et dire que tu as tout fait sans ruche. Quelle peine cela a dû te causer. Quelle terrible solitude. La solitude, il ne faut point craindre. Regarder avec esprit, c'est voir sans corps. Et alors, voir en dedans, c'est voir en dehors. Car seulement par toi-même peux-tu te libérer de toi-même. Oui, on peut seulement s'élever au-delà de ce qu'on reconnaît. La ruche serait honorée d'avoir un membre aussi déterminé que toi. Pas une minute à perdre, il est temps de réaliser son plein potentiel. Je ne suis pas sûr si ça sonne plus comme une secte ou une start-up. Il va sans dire, la route vers l'illumination est un chemin modeste. Le passé doit être abandonné. Oui, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne fait même pas mal. Bien au contraire, une vraie libération. Ah, c'est bien ce que disaient les religistes. Il est temps de franchir l'horizon de toute chose, et pour toujours baigner au-delà de temps et l'espace. Embrasser l'inconnu à pleine bouche. Tu peux enfin dire adieu à la solitude et connaître la béatitude. Bon ben c'est l'heure hein. C'est cool tant que ça a duré. J'espère que le chemin se recroisera un beau jour, même si ça serait étonnant. Mais lève les yeux vers les étoiles de temps en temps, d'accord? Ça marche mon petit pote. Oh. Oh. L'horreur boréale. Partenaire Microsoft. Ah, j'allais dire Anne Hidalgo, mais non, c'est Arturo Hidalgo. En plus, ça doit même pas être un français. Après, il doit y avoir des français quand même dans le tas pour le coup. Allez, on s'assoit sur le banc. Et on profite de l'aurore boréale. Oh, c'est nous. On était tout blanc. On était tout blanc. Oh, le filet. La troutille pendant tout le jeu. Oh, c'est beau. Voilà, on a fini. Bien joué.